La langue française nous offre divers termes et expressions qui sous-entendent un contraire que l'on n'entend toutefois jamais. Voici finalement l'éloge bien mérité de ces antonymes mal aimés. Oh non, mon grand garçon, non, j'irai pas t'aider. Oh, va falloir que t'apprennes à te démerder tout seul. Oui. Oh, là, je me suis merdé. Là, je suis vraiment allé merder, là. Oui, là, pis après ça, elle, là, ça va raconter une histoire, là, vraiment, là, invraisemblable, là, pas d'allure. Je te dis, sans qu'une tête, là. Non. Inquiète-toi pas, je vais tout te compter ça et tu vas voir mon histoire a définitivement une queue et une tête. Oh non, je sais très bien ce que tu veux dire, là. J'ai déjà vécu dans un quartier malpropre, là, des crottés, des pouilleux, des êtres dégénérés. Ben oui, tu prends quelqu'un comme Edgar Fruitier, t'sais, quelqu'un qui a de la classe, qui sait vivre, là. Un vrai généré, là. T'sais, quelqu'un de vraiment généré. Oui, votre honneur, le policier a émis des commentaires désobligeants à mon égard en me donnant ma contravention. Merci à l'Académie, c'est tout un honneur que vous me faites. Et que dire de ces beaux éloges obligeants envers moi? Ben oui, je le sais, mon anecdote est poche, là. Ça finit un peu en queue de poisson, mais si tu veux. Ah, oh, pis la fin de ce film-là, oh, vraiment une fin satisfaisante, là. Une vraie fin en tête de poisson. Non, me semble, ma tante Henrietta est décédée en 97. Ouais, décédée en 97. Oh, hey, je t'ai pas dit, j'ai parlé à Jean-Marc. Oui, Judith a accouché. Oui, leur bébé est cédé la semaine passée. Ben oui, j'ai pas trouvé d'auberge ce soir-là, fait que j'ai dormi à Belle Étoile. Ah, ben non, j'amène une tente. Oui, on va dormir à l'étoile LED. On va être super confortable, je te dis, là, l'étoile va être vraiment horrible.